C'est parti du coup pour découvrir Kena Bridge of Spirit. Je me suis pas trop spoilée, comme d'habitude j'aime bien découvrir en one shot avec vous. On va partir sur un petit mode esprit, guide des esprits ou guide des esprits espère, qu'est-ce que c'est que ça? Capacité des héros se recharge de manière passive lorsque vous subissez des dégâts. Les ennemis sont moins agressifs et infligent moins de dégâts. Capacité des héros se recharge lorsque vous subissez des dégâts, les ennemis sont agressifs. On est sur un mode facile, moyen, difficile, c'est ça? En règle générale, j'aime bien prendre le moyen. Mais comme je m'intéresse surtout à l'histoire, on va peut-être caler sur le mode histoire. On va voir, on verra bien ce que ça donne. À peine visible, bah, au milieu c'était pas mal en vrai. Hein. Au milieu c'était pas mal. Ok, go. On est parti, on est parti. Je suis assez impatiente, c'est un jeu qui est très très prometteur, qui a été extrêmement attendu par beaucoup beaucoup de joueurs. Donc j'ai très hâte. Des masques en bois unique sont taillés pour honorer les morts. Placés dans des sanctuaires sacrés, ces masques retournaient progressivement à la poussière, symbolisant le voyage paisible de l'âme vers la vie suivante. Certains esprits peinent à emprunter ce chemin par eux-mêmes. Luttant contre les tragédies de leur passé, ils subsistent et deviennent dangereux. Les maîtres sollicités pour aider ces manifestations piégées et violentes sont affectés. Bien ce que je pensais. Je vous baisse un petit peu, c'est un peu fort. On reprend. C'est magnifique. Hein. Je crois que c'est une des raisons pour lesquelles ce jeu était aussi attendu, c'était les graphismes. Et pour le moment, on peut pas dire qu'on est déçu, hein, parce que c'est vraiment très très beau. Activer l'impulsion stylée et... Ok, on va pouvoir voir un petit peu les contrôles. C'est le clavier anglais. Hop là et hop là. Je passe mon clavier en anglais, comme ça ce sera plus rapide. Et on est parti. Oh là là. Regardez-moi cette beauté. C'est vraiment magnifique. Hein. Oui, j'ai envie de tout grimper partout, mais je peux pas. Je suis un peu embêtée. Ok. J'imagine que tous ces symboles, etc. vont avoir une importance ensuite. Des petites torches à allumer. J'ai envie de tout explorer, j'ai envie de vérifier si je n'oublie rien. De regarder s'il n'y a pas du loot un petit peu partout et tout. J'ai toujours tendance à faire ça sur les jeux. Mais je sais pas du tout si c'est un jeu où il y a du loot ou pas. Comme d'habitude, hein, j'ai lancé sans me spoiler pour découvrir un maximum. J'imagine qu'il faut suivre les petits spectres. C'est incroyable. Les ambiances et tout sont folles. Est-ce qu'il fallait voir lui? Coucou toi! Viens on se battait. Une petite E s'impose? Non, pas de E. Ok, est-ce que je peux activer ça? Non? Est-ce que je peux le taper? Genre je peux pas le taper. Sniffouille, sniffouille. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Petite porte qu'on peut pour le moment pas ouvrir, il y a peut-être une énigme à faire pour l'ouvrir. J'ai l'impression que les spectres sont tous allés par là-bas, donc à voir. Ici, est-ce qu'on peut grimper? Pas dans l'immédiat en tout cas. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? J'ai cru voir d'autres chemins. Non, je voulais pas taper le Z. C'était pas trop ce que j'avais prévu de faire de base. Mais bon. On a qu'à dire qu'on a rien vu. Toujours pas. Non, c'est que je veux courir. Du coup, j'utilise des raccourcis que j'ai l'habitude d'utiliser sur d'autres jeux. Et ça me fait pas courir. Ça me fait taper. Eh bien, je pense qu'il faut trouver le moyen d'ouvrir la porte. Du coup, je me demande s'il n'y a pas une petite énigme. Oh. Est-ce que je peux allumer ça? Trop bien. Je sais pas à quoi ça a servi, mais c'est allumé. C'est une chose. On peut allumer ça aussi. Et ça résonne de partout. Incroyable. Ok. C'est vrai, Duracell, tu voulais le voir en live? Il y en a qui l'ont déjà testé? Je crois que je vais l'acheter, c'est trop beau. Ouais, vraiment magnifique. Hein. Il y en a parmi vous qui l'ont déjà testé? Dites-nous, est-ce que vous avez kiffé ou pas? Racontez-nous. C'est pas là, eux. Il y a sûrement une énigme à faire, j'imagine. Il y a sûrement une énigme à faire. Vous ne passerez pas. Bah c'est pas très gentil. Hein. Mais c'était pas Gandalf. Hein. C'était pas Gandalf non plus. Il va faire tout noir.
Coucou Amenosto, comment ça va? À combien de temps de jeu? 2 minutes. Je viens tout juste d'arriver, je découvre tout juste le jeu. Je sais pas ce que je dois faire. Donc je découvre tranquillement mais sûrement. Je connais pas encore les mécaniques, etc. Je suis déjà bloquée. Ça commence bien, c'est moi qui vous le dis. Je pense qu'il faut que j'ouvre la porte, mais alors j'ai aucune idée de comment ouvrir la porte. J'ai pas vu de mécanisme à activer, ni d'énigme à faire. Tout ce qui était activable avec ma O, en tout cas, j'ai l'impression de l'avoir activé, en tout cas à proximité de la porte. Peut-être qu'il faut que je joue avec les résonances des cristaux qu'il y a sur les côtés? Je sais pas du tout. C'est une très bonne question. Est-ce que ça a une influence quelconque? Je crois pas, hein. Non. Je pense qu'il faut faire quelque chose comme ça, mais... Quoi précisément, je ne sais pas. Là est la question. Peut-être que je me fourvoie. Si vous avez des indices, n'hésitez pas. Ça y est, on est déjà bloqué, on est déjà bloqué. Ça commence bien ce jeu si vous voulez mon avis. Non, mais c'est juste moi qui comprends pas. Mais ouais, je pense qu'il y a une énigme à faire, un truc de résonance avec les petits cristaux qu'il y a là. Alors est-ce qu'il faut commencer tout au bout là-bas? Est-ce qu'il faut taper la porte? Vous croyez que je peux taper violemment la porte? Genre, la zigouiller? Sur un malentendu, ça passe, non? Et ça commence bien. Je voulais taper la porte, mais la porte elle veut pas que je la tape. C'est pas très gentil. Je suis un peu embêtée si vous voulez mon avis. Bah ouais, faut croire, ah mais non. Choquée, déçue quoi. Il y a peut-être quelque chose à faire ici, bah tout simplement. Putain, mais je suis débile ou ça se passe comment? Genre, basique quoi. Ça fait 2 minutes, allez, 4 minutes que je suis bloquée là-dessus. Le classique, tu te mets sur un portail, ça ouvre la porte. Franchement, j'abuse, hein. Moi, je cherchais des énigmes avec les résonances et tout, mais non, classique. Classique, classique de chez classique. Non, mais personne n'a été bloqué, je suis la seule à être bloquée, sinon c'est pas drôle. Oupsie. Oh, je suis pas morte. J'ai cru que j'allais mourir, tomber dans le vide et tout. Stylé, on dirait les sans visage. Pourquoi êtes-vous venu? Je sens la souffrance ici. Esprit, avez-vous besoin d'aide? Elle a des yeux pleins d'empathie. Vous ne connaissez rien de la souffrance. Ici, c'est mon foyer, mon village. Rebroussez chemin, guide des esprits. C'est pas très gentil de vouloir me taper, hein? Alors, ça pour une attaque légère et ça pour une attaque lourde, attaque chargée du coup en l'occurrence. Ok. Coucou, bah t'es fatal. Viens se taper tous les deux. Je bugouille un peu. Faudrait peut-être que je baisse la qualité. Ta ta ta, vous me dites. Si vous trouvez que c'est pas assez fluide, je baisserai la qualité. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Les musiques sont ouf. J'adore. Ok, trop cool. Tadadam. Il y a plein d'endroits où aller. Où est-ce qu'on va en priorité? Là où ça brille? Là où ça brille. Il y a plusieurs endroits où ça brille. Je pense que le plus intéressant, c'est celui qui est au centre parce qu'il a l'air plus gros. Mais c'est un peu intéressant de venir ici aussi, je trouve. C'est tellement beau. J'adore. J'adore, j'adore. Ok. On a une autre porte ici, donc j'imagine qu'il faut qu'on trouve un autre portail. Un portail sauvage, peut-être au niveau de l'arbre là-bas. Ou au centre, en fait, tout simplement. Faut que je m'habitue à la mécanique des portails. C'est si beau, j'adore. Hâte de te voir fail en boucle. Je vois pas de quoi tu parles. Moi, me fail, c'est vraiment pas mon genre, voyons. Dis donc, dis donc.
Même elle-même s'est fait voler son goûter dans ce jeu, c'est vrai. Incroyable, j'adore. Les sans-visage. Ça marche, ça teuf. Ok, go. Go, Power Rangers. Tout, 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 tout. La porte, elle veut pas s'ouvrir. La question est pourquoi? Tout simplement. Il fallait appuyer sur la... Tout s'explique, tout s'explique. Enfin. Les musiques sont vraiment... Enfin, vous me dites d'ailleurs si le son du jeu est pas assez fort pendant les cinématiques et tout. Il faut me dire, il faut me dire. Ta-ta-ta. C'est très très beau. C'est vraiment très beau. Les ambiances, les ombres, les lumières, ça a vraiment une beauté de fou. Ta-ta-ta. Tout-tout. Alors, on va baisser un tout petit peu les graphismes. On va mettre DirectX 12. Ah, flemme. Est-ce que je peux baisser un tout petit chouille? Moyenne, élevée, on va mettre en élevé. Comment ça donne en élevé? C'est fluide ou c'est pas fluide? C'est pareil que tout à l'heure, je crois. Ok, si on met en moyen. Après, ça vient peut-être pas des graphismes. J'ai tendance classiquement à baisser les graphismes, mais non. Ça change pas grand-chose. C'est peut-être le fait que ce soit en plein écran aussi. Ouais, c'est un peu plus fluide en faible. Vous préférez quoi? Graphisme moins bon, mais plus fluide? Ou graphisme meilleur? Je vous laisse choisir. Je vois pas de différence, honnêtement. La différence est subtile. Sur les ombres, les lumières, les contrastes. Mais en vrai, c'est subtil. Je veux ce jeu, il a l'air trop bien, mais oui, il a l'air tellement bien. Le jeu est juste mal au petit. Ah d'accord. Après, ça va, j'ai l'impression qu'il est un peu plus fluide. Un peu plus fluide en faible. Parce que mon ordi est pas mauvais, mais le fait de streamer, ça me m'oblige à baisser un petit peu la qualité des jeux pour streamer en bonne fluidité. Alexiao. On laisse comme ça? On laisse comme ça. Allez, c'est parti. Est-ce que je peux activer des trucs? Parti par là. Je veux tout activer. C'est trop stylé, je sais pas si elle a une barre de mana. Pour le moment, on n'a pas l'air d'avoir de barre de mana ni rien. Mais peut-être qu'utiliser trop ça à eux, à un moment, ça aura des conséquences. Parce que là, je passe ma vie à l'utiliser, ça à eux. Je ne fais que ça. C'est terrible, c'est terrible. Ok. Il y a une petite balise ici. Ça ressemble un petit peu à quelques zones de Genshin, tiens d'ailleurs. C'est rigolo. Il y a plein de chemins différents. Non, c'est bloqué. It's ok, it's ok. Ça me stresse quand il y a plusieurs chemins parce que j'ai envie de faire tous les chemins. Je... Nani. Ça doit pas être la bonne touche Q, ça doit être A. C'est ça. Oh! Il y a des petites bouilles! Ils ont l'air trop chauds! Je l'ai vu ici, quelque part. Où est-il parti? Il est là! Il est beaucoup trop mignon. Ça image plutôt bien ma scène. C'est un raid assez parfait. Merci beaucoup pour le raid. Bienvenue, bienvenue. Vous étiez sur quoi? Comment se passait la live? Coucou! Oh, ils sont trop mignons. Bah non, il faut pas partir. Moi. Coucou Superbe à vous, coucou Laurelis, merci beaucoup pour le raid, c'est adorable. Est-ce qu'on peut attraper l'esprit? Il se cache. Je suis désolée, mais se cacher derrière une feuille d'érable, c'est pas une bonne cachette. Hein. Toutes mes excuses, mais ça marche pas. Hein. C'est pas parce que toi, tu nous vois plus que nous, on te voit pas. Hein.
Merci pour le follow, Laurélis. Comment ça va? Ça fait trop plaisir de te voir, super babou. Merci pour les SO direct, c'est adorable. Mais non, ils sont mignons. Ah, mais non. Ça a l'air trop mignon comme jeu, surtout très très beau comme jeu. Il vient tout juste de sortir, il est sorti hier, c'est Kena, Bridge of Spirit. Très très chouette. Ça va super, merci. Je suis un peu malade, j'arrête pas de tousser. Mais ça va, merci. Vous étiez sur quoi? Comment s'est passé le live? Racontez-nous. Mais merci de passer, c'est vraiment adorable. C'est trop choupinonné. Alors, où est-il? Comment on fait pour le choper? Est-ce qu'il faut que j'appuie sur ma E? Est-ce qu'il faut que je le tape violemment? Ou est-ce que je vais avoir un petit bouton d'interaction? Quand je serai à côté. Il est trop mignon. Je pense qu'il faut que je fasse ma E. C'est ça. Oh. Récupérer. Yay. Coco beauté. Trop mignon. Je craque totalement. On a un nouvel ami. Oh, il fait des petits bruits mignons. Oh. Tout va bien. Que s'est-il passé ici, petit bonhomme? Il a l'air tout triste. Je craque totalement. Oh, ça veut dire qu'on est blessé? Trop chaud. Je craque totalement. Il nous guide. Trouvez les rottes. Les rots ou les rottes? Comment on les appelle, les rottes? Tu nous éviteras de nous marrer à chaque fois qu'on dit rots. Parce qu'on est des enfants. Ok, trop bien. Les mécaniques nous sont données petit à petit, de façon très intuitive, j'aime beaucoup. I love that. Ok, on fonce. Avec les petites musiques là, j'adore. Il y a des symboles. La voici, fuyons. Bah c'est pas très gentil, moi je suis gentille, regarde. Je suis toute mignonne et tout. C'est quoi? Récupérer. Bah oui, j'avais le récupérer. Qu'est-ce que c'est? J'adore! On a trouvé un rat! On peut le bousculer! Coco, toi! Viens, on court ensemble, tu me suis? Il me suit? C'est trop mignon! Je vais être poursuivie par plein de rats! Tout plein, tout plein! J'adore! Je regarde un petit peu partout, peut-être ils sont bien cachés. Il faut fouiller un peu quand même. J'ai pas l'impression, mais peut-être sur un malentendu, ils sont bien cachés. Sur un malentendu. Est-ce qu'on peut en adopter aussi? Ça peut se faire, ça peut se faire. Ils sont beaucoup trop mignons. Adopteranimal.com. Non, les petites bouilles. La musique est ouf. J'adore. Coucou beauté. Trop mignon. Je vais le récupérer, please. Coucou toi. Oh. Avec le petit sourire. C'est beaucoup trop mignon. Je craque totalement. C'est bon, je veux ce jeu. C'est beaucoup trop choupi. Je craque, je craque. Ok. Trop mignon. Cache-toi, Benny. Ils sont en face. Je vous ai vu, hein, vous êtes pas très bien cachés. Hein. Je suis désolée, mais si vous courez partout et tout, je vois que vous. Hein. D'abord. Je mets le son du jeu un petit peu plus fort. Vous me direz si c'est trop fort. Tac et tac. Mais j'augmente un petit peu parce que les musiques sont ouf. Il faut qu'on en profite quand même. Il faut en profiter, il faut en profiter.
peut faire des doubles sauts. Génial. Encore un petit peu plus fort pour vous. Encore un petit peu plus fort. On va y arriver, on va y arriver. Tout va bien se passer. Dès que j'arrive, mon PC à moi. À moi, le jeu. Mince. Il est sur console aussi, ce jeu. Il est vraiment ouf. Hein. Très, très beau. Après, ça l'est. Du coup, vous étiez sur quoi, Super Bavo? J'ai dû louper le message si tu m'as répondu. Alors, voyons voir. Je veux les autres rats. Hop là. Les contrôles sont très intuitifs et tout, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est propre. Est-ce qu'il y en a un caché là? Oh, je pense que oui. Coucou toi. Trop mignon. je craque totalement. Ok. Non, je crois qu'il est sur PS4, PS5. Est-ce qu'il est sur Xbox? Je me demande. Sur Tell Me Why? Ah, trop bien, ouais. On l'a fait en entier, Tell Me Why. On l'a fait en entier. Il est vraiment très chouette. Vraiment, vraiment très, très chouette. Ok. Ensuite, où sont les héros suivants? On dirait une chanson de Noël. J'aime bien, je trouve ça mignon. Est-ce qu'il y en a dans l'eau, vous croyez? Je nage. J'ai pas l'impression qu'on ait une barre d'endurance ni rien, donc j'en profite. Je me faufile et tout, peut-être je trouverai du loot. Oh non, on est bloqué. Snifouille. Ils me suivent dans l'eau. Ces types pas absolument adorables. Il y en a un, il fait le crawl sur le dos, j'adore. Trop mignon. C'est trop choupinonné. Je craque beaucoup trop, ça y est. Ah, moi, c'est bon, vous me perdez. Hein. Vous me mettez sur un jeu magnifique avec des petites têtes trop mignons. Vous m'avez perdu. C'est fini, c'est fini. C'en est fini de moi. Je craque totalement. C'est terrible. Oh waouh. Oh. Ici, ça a l'air un petit peu corrompu comme endroit quand même. Est-ce que je continue encore un peu vers les jolis endroits? Un petit peu. Ensuite, on ira vers les endroits corrompus. Oh, coucou vous. Je vous ai attrapé. C'est faux. On ira vers les endroits corrompus après. Oh, un coffre sauvage. Coucou toi. J'adore. Ok. Ah, il a déjà été ouvert, donc on peut pas le récupérer. D'accord. Si, je peux faire encore un truc. Étrange, étrange. Ok. Bah yes, génial Ameno. Ça marche, y'a pas de soucis. De gros bisous Lorlys, merci d'être venu papoter. Douce nuit à toi, des bisous. Et là, il rate pour te rappeler qu'ils sont toujours là. Super. C'est moins mignon, mais c'est très rigolo, je trouve. S'ils font ça, cela m'amuserait beaucoup. Puis ce serait coquet, il s'appelle Lero. Il pourrait roter. J'imagine que... il s'appelle aussi Lero dans la langue originale. Et du coup, ça veut pas dire la même chose qu'en France. J'imagine, j'imagine. Je crois qu'on est obligé d'aller dans la zone corrompue maintenant. Bon, j'ai dû louper quelques petites zones de l'autre côté, mais je crois qu'on est obligé d'aller par là. Ça fait quoi si je fais ça? Je peux pas... Je peux pas. Snifouille, snifouille. Il faut en récupérer plus pour purifier le cœur de cette zone morte. Intéressant. Ok. Donc, tout l'intérêt de collecter les héros, ça va être de purifier la zone. Intéressant. Très, très intéressant. Donc ici, on est déjà passé par là. Au bout, c'est un cul-de-sac. Là-bas, il y a le coffre. Et de l'autre côté, c'est un cul-de-sac. C'est ça. Donc, il doit y en avoir encore un autre endroit que je n'ai pas trouvé. Juste ici.
Appuyez sur C pour interagir avec les rats. Oh, éternue. Attendez. Trop bien. Ils peuvent désormais effectuer plus d'actions. Votre équipe de compagnons s'est agrandie. Vous disposez désormais d'une action de rat. Appuyez sur R pour lancer les rats sur ces objets et environnements. Récupérez les rats pour monter de niveau et gagner plus d'actions. Ok, trop cool. Attendez, on va continuer d'interagir avec eux. Sur C. Éternue. Je peux pas éternuer? Ah, j'ai cru qu'elle allait éternuer maintenant. Deux, danser? C'est lui qui danse? C'est trop mignon. Je craque totalement. Oh, ok, trois. On lui fait un bisou? Oh. Je craque totalement. Regardez-moi cette mignonitude. Oh. Une pluie de cœur, une avalanche de cœur, que dis-je ? Un séisme de cœur. C'est beaucoup trop mignon, je craque. Mon petit cœur fond, d'accord ? J'adore, c'est incroyable. Merci pour le follow Arnark. Ah, pff, voilà. Merci pour le follow Anark, bienvenue à toi. Oh waouh! Bah, ça c'est rigolo, ça vraiment. On se fend la barre par ici. J'adore, c'est beaucoup trop mignon. Je craque totalement. Si je veux faire éternuer, du coup, on n'a pas trop vu tout à l'heure. Oh, il saute tous! Salut le craque, ouais, non mais là on craque tous, c'est terrible. C'est terrible. Normal de craquer devant ce jeu, bah là on a plus le choix. C'est trop mignon. J'adore. C'est beaucoup trop choupi. Il nous manque encore un gros? Ou peut-être pas, on va essayer. Oh! Je peux jeter des trucs? Non, j'ai pas l'impression. Je pensais qu'on pouvait jeter les héros dessus comme les Pikmin. Ça aurait été un peu drôle. Appuyez sur eux pour activer l'impulsion et détruire le cœur de la zone morte. Stylé. Trop fort. Il faut faire la danse de la joie maintenant. Trop fort. Donc plus on va collecter d'euros, plus on va pouvoir combattre les malédictions. Trop mignon, j'adore. Il m'en faut pas beaucoup plus pour être contente, vous savez. Ok, j'imagine que petit à petit on va découvrir un petit peu l'histoire, comment ça marche et tout. Intéressant. On grimpouille? On grimpouille. Ah, je peux pas passer par là? Est-ce que je peux passer par là? Je peux pas passer par là? Moi je suis désolée, mais ça a tout l'air d'être un pont pour y aller quand même. Si je peux pas y aller, bah je suis un peu triste. Quand même. On peut pas passer par là? J'essaie de faire un truc qui est pas possible? C'est possible, on est d'accord. On est d'accord. Ça marche, merci beaucoup, c'est adorable. Coucou Nagayo, comment ça va? Un double saut, tout s'explique. Tout s'explique, tout s'explique. Merci bien. On se demande si tu aides ou tu détruis encore plus à la dure. Chut, personne n'est au courant. Il faut pas dire, il faut pas dire. Il faut nager. On va par là. Est-ce qu'on peut tomber dans la cascade? On peut pas. Oh non, on est bloqué. Quel dommage. Je trouvais ça un peu rigolo. Ça va super, merci Nagayo. C'est tellement beau. C'est dingue. Ta-ta-ta-ta.
Il faut bien fouiller un peu partout, du coup, j'imagine, pour choper les rônes, hein. Est-ce qu'il y en a par ici? Je sais pas. J'ai trop peur d'en louper. Non, je suis retombée. J'abuse. Oh, on peut escalader. Trop bien. En tout cas, ouais, les mécaniques de jeu, on les apprend de façon très intuitive. J'aime beaucoup. Il y a plein de jeux. Souvent, moi, je teste des jeux comme ça, un peu au pif, pour voir un peu ce que ça donne et tout. Et des fois, c'est pas ultra évident de comprendre les mécaniques de jeu. Bah là, c'est super simple. C'est très bien fait. C'est très bien amené. Je suis très fan. Il m'en faut peu. Hein. Vraiment, je... Pour le coup, il m'en faut peu. Les roues sont effrayées et sont partis se cacher. Attaquer les ennemis pour accumuler du courage. Dépenser du courage au combat pour effectuer des actions de roues. Ok, ça marche. On fait ça. La musique. Je suis contente. La musique, les graphismes, l'intuitivité. Il y a tout, d'accord? La mignonitude, il y a tout pour plaire, ok? Il m'en faut vraiment peu, mais j'adore. J'adore, j'adore. Non, il m'en faut pas peu, en vrai. J'adore. Vraiment, c'est ouf. Je retourne sur Genshin, au moins on peut grimper sur les falaises. Les gouttes de courage peuvent se former à travers le monde. Ramassez les gouttes de courage avec votre impulsion E, ou touchez-les pour accumuler le courage plus vite. Ok. Attendez. Il a l'air sympa ce jeu, ouais. Vraiment très chouette pour le moment, en tout cas, de ce qu'on en a vu, c'est très chouette. C'est très très chouette. Je peux plus les utiliser? Il faut que j'ai plus d'euros. Peut-être il faut que j'ai plus d'euros, ça se tient. Ah, oh, stylé. Stylé, est-ce que je peux grimpouiller? Coucou toi. Trop bien. On continue? On continue. Saisir le rebond. Non. Ok, on fonce. J'ai envie d'en apprendre un petit peu plus sur l'histoire. Utiliser des rots. Les rots peuvent déplacer certains objets dans l'environnement. C'est un peu comme les Pikmin pour le coup. C'est trop mignon. C'est beaucoup trop mignon. Vous savez que j'adore les Pikmin, alors du coup... Du coup, ça me plaît bien ce que je vois. Appuyez sur R pour que les retravassent un objet indiqué où aller en visant avec L shift, puis appuyez sur R. Ok, ça marche. Alors... Ok... Ils m'ont pas dit d'appuyer sur R. Je sais plus sur quelle touche il faut que j'appuie. Ça commence bien cette session. Je sais qu'il est minuit 11, mais c'est pas une raison pour faire n'importe quoi. Je sais pas quelle touche je dois appuyer pour les guider. Est-ce que je peux les pousser? Non. Bah si vous savez, je suis preneuse les loulous. De où est-ce que je peux déplacer ça? Comment le déplacer et tout et tout? Oh, stylé! C'est quoi comme B? Ils sont en train de les dévorer. Trop mignon. Est-ce que ça va faire comme pour les Pikmin? Est-ce que ça va leur donner de nouvelles couleurs, de nouvelles compétences? J'ai pas l'impression. Est-ce qu'ils vont avoir des fleurs qui vont pousser sur la tête? Très bonne question, très bonne question. On va continuer d'explorer la zone comme je sais pas quel raccourci il faut utiliser. On va essayer de comprendre la mécanique au fur et à mesure. Les saints indiquent un peu le truc. Bah, il me faut. En fait, là, il me faut juste une touche pour les déplacer. Du coup. Non? Je me fourre pas? Ta 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 ta. Peut-être que je me fourre pas, c'est possible, c'est possible.
Ok. Par ici? Oula! Il y a des petits bugs visuels, des fois, c'est particulier, disons. Particulier. Si je fais ça, ils viennent pas par ici, on est d'accord. Hein. Non. Ta 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 ta. Oh. Est-ce que là, je peux leur dire de venir ici? Oh waouh, ça y est, j'ai trouvé. CTRL. Non, c'est pas CTRL, c'est ma touche mage. Eh ben dis donc, j'ai mis le temps. Ça va peut-être les attirer avec de la bouffe. C'était une touche, ouais. Le temps de retrouver la touche. Trop cool. Ils sont trop mignons. Je craque totalement. Il faut que je les mette un petit peu plus près. Ok. Hop là. Ils veulent pas venir aussi près? On va les éloigner un petit peu. Déplacer. Ah oui, c'est faut appuyer sur R à la fin. Ok. Et là, si on essaie, c'est la bonne? J'y crois. J'ai espoir. J'ai espoir. Yay! On a mis le temps, mais on a réussi. Nickel. Alors... où est-ce qu'on va? On a peut-être des héros à choper aussi dans le coin. Éventuellement. Ta-ta-ta-ta. Ça nous donne 10 quelque chose, mais je sais pas ce que c'est. Peut-être la monnaie du jeu, éventuellement. Là-bas, ouais, on a un noyau à purifier. Peut-être qu'on peut aller en face. J'ai peur de me casser la figure. On ira plus tard. On tentera le diable un petit peu plus tard. Qu'est-ce que c'est? Coucou toi! Hop là, et hop là. On peut le relever, trop mignon. Trop mignon, ok. Ça nous permet de gagner de la thunasse, des sous-sous, des pièces. Et ça nous fait plaisir. Ok. Et da ta 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 ta. On tente? J'ai tenté, d'accord, j'ai tenté. Vous pouvez pas me reprocher d'avoir tenté. Je me suis dit sur un malentendu, c'est ça. Mais c'était pas ça. Oh, il y a un truc ici. Toutoum. Faut passer par ailleurs, on va faire le tour. Hop là. Relâcher l'objet, est-ce qu'on peut passer par là par exemple? Non, là on est bloqué. Est-ce qu'on a des petits chemins par ici? Non? Bah je sais pas trop par où je dois passer du coup. Je teste des trucs mais... La logique voudrait qu'on continue le chemin en face mais on n'a pas réussi à sauter tout à l'heure. Alors peut-être j'ai pas pris assez d'élan. Peut-être je suis pas très douée. Ce qui est fort probable. C'était ça, ouais. C'est juste je suis pas assez douée, quoi. Tout simplement. Ok. Tac, 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 tac. On doit déplacer le petit... intéressant. Utiliser des héros. Est-ce qu'on peut aller les chercher là-bas et les amener ici? Si c'est le cas, c'est trop cool. Non, c'est rouge. Je leur en demande trop. Ok, par contre, par ici, il doit y avoir des petits objets qu'on va pouvoir utiliser, éventuellement. Ah, ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir. Ok. Il a dit aux autres, vous ne passerez pas. Yeah. Est-ce qu'on récupère ça ou pas, du coup? Ouvrir. Soyons fous. Stulip, ça nous donne des sous. De la thunasse. Ça fait plaisir. Il faut qu'on aille chercher, ouais. Est-ce qu'on peut la monter? Je pense pas, en vrai. On va regarder. Si on peut monter le petit bloc ou pas.
Non, ça se tient. C'était un peu chelou, on est d'accord. Comment est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? Relâcher l'objet. Tout simplement. Tout simplement. Ok. Alors, voyons voir. Est-ce qu'on a assez de robes pour purifier la zone ou pas? Là est la question. Oh, mais qui revoilà? Dis donc, dis donc. Laissez-moi vous aider. Je peux apaiser ces esprits et restaurer l'équilibre de la forêt. Je connais les gens comme vous. Vous sentez le pouvoir qui coule à travers ces terres, mais vous ne le comprenez pas pleinement. Parce que vous le comprenez mieux peut-être. Je veux pas dire, mais là c'est vous qui faites apparaître l'énergie maléfique. Hein. Il ne reste que la mort et la corruption dans ces contrées. Bah c'est pas très gentil. Hein. Moi je veux apporter joie et bonne humeur et là c'est pas trop ce que vous me permettez de faire. Ces terres peuvent être soignées, mais vous ne pouvez pas rester ici, esprit. Vous devez partir. C'est vous qui n'appartenez pas à cet endroit. Je n'abandonnerai jamais les miens. Notre premier petit boss. Appuyez sur E et maintenez le bouclier. Ah, ça. Ok, coucou beauté. Ok, faire gaffe. Il est un peu vénère le coco. Ok, si je veux lui lancer mes Pikmin. Mero, pardon. Tu vas faire des esquives? J'ai trop l'habitude de faire des esquives. Ok, j'essaie de comprendre. Si, je peux faire des esquives. Ok. C'est que généralement, c'est la touche match que j'utilise pour sprinter ou esquiver. Au choix. Ok. Ouais, on est en mode histoire, donc les boss sont pas ouf. On est un petit peu sur notre faim. C'est un fouille trop facile à mon go. Bon, ça devrait se corser au fur et à mesure, quand même. Quand même, quand même. On y croit, on y croit. Ils sont trop trop chauds, je craque. You can come out. It's safe now. Vous pouvez sortir, il n'y a plus de danger. Saya regarde la déballer le poison. Les petits bonshommes peuvent le manger. Les Roran. Ils en sont friands. Je m'appelle Kenna. Que faites-vous tous les deux ici, seuls dans la forêt? Ne vous inquiétez pas pour nous, nous sommes là depuis longtemps et nous nous débrouillons tout seuls. Je vois ça, vous avez tous les deux l'air très fort. Connaissez-vous cet esprit portant le masque cornu? Nous ne le connaissons pas, mais lorsqu'il apparaît, le poison répugnant devient plus fort. Et que faites-vous ici dans la forêt? Je cherche le sanctuaire de la montagne sacrée. Pouvez-vous m'y emmener? Tintintin. Si vous voulez arriver au temple de la montagne, vous devez d'abord nous aider. Oh, une petite quête sauvage? Bah écoutez, je vous propose qu'on s'arrête ici pour notre session canap pour aujourd'hui. Je vous propose. Ce fut ma foi très très chouette. J'étais très contente de découvrir cette petite aventure qui est ma foi très mignonne, très contemplative. On se pose tranquillement et on en profite. Et pour le moment, je kiffe bien. Et vous, qu'en avez-vous pensé ?